ils étaient résolument prêts. Quatre classes d'école primaire du secteur de Gérardmer rassemblées mardi à la salle polyvalente de Saulxures-sur-Moselotte pour une journée qui venait conclure deux semaines de stage coordonnées par la compagnie IPAC qui déployait la quatrième édition de son projet artistique annuel. Au programme cette année, des jeux de training propres au métier d'artiste, exercices de concentration, d'éveil du corps, mais aussi d'écoute de compte. Mon rôle sera de raconter une histoire qui a un rapport avec le jeu et qui partage plutôt le sens olympique du terme. C'est-à-dire que l'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais l'essentiel, c'est de participer. Depuis la création du projet en 2021, l'objectif d'IPAC est de partager ses valeurs et ses pratiques artistiques à travers des performances regroupant la comédie et le chant. En cette période olympique, la thématique des exercices allait de soi. Vous écoutez le tempo, passe le bâton, change de main. Bien sûr, les acteurs et les actrices doivent aussi s'entraîner pour aller sur le plateau, mais c'est une forme d'entraînement qui est tout à fait différente par rapport aux sportifs et sportives. On a travaillé la voix, le corps, bien sûr, et puis notamment l'attention et la concentration, c'est deux des éléments fondamentaux dans notre pratique. Des ateliers dont le bénéfice pour les enfants va bien au-delà de ce seul projet artistique. Cette année, on travaille beaucoup sur l'entraînement, qu'il soit physique ou alors mental, c'est-à-dire au niveau de la concentration, de l'attention des élèves. Et les petits exercices, en fait, permettent à chaque enfant individuellement de se donner à fond dans la réalisation d'un projet collectif. Au niveau du travail en classe, on le ressent beaucoup parce que les enfants sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et ils sont à même de percevoir en fait leur capacité d'attention, de concentration. Donc, ce qu'on fait dans le travail du training d'acteur, on le reporte également dans le travail des apprentissages en classe. Ce qui m'a plu, c'est travailler la concentration avec Amandine et Edgar. Pour que, par exemple, si on a fait un exercice de maths, des trucs à l'écrit, qu'on soit un peu plus concentré et qu'on se disperse moins. Cette journée venait clore la session de création 2024 pour ses élèves. IPAC envisage quant à elle de nouvelles collaborations scolaires pour la rentrée 2025.